Si le MiG-25 est resté longtemps l'avion d'interception et de reconnaissance le plus rapide du monde, dépassant Mach 3, c'est désormais du passé, puisque selon nos informations, il n'est plus en service depuis 2022. Aujourd'hui, c'est un autre appareil soviétique qui peut se targuer d'être l'avion de chasse en service le plus rapide du monde, le MiG-31. Dérivé du MiG-25, le MiG-31 a été développé par l'avionneur soviétique à la fin des années 60. Il est entré en service au début des années 80. L'appareil est doté de deux grandes entrées d'air rectangulaires de part et d'autre du cockpit. L'avion d'interception supersonique est équipé de deux turboréacteurs russes. Il affiche une vitesse de pointe hallucinante de Mach 2.83, plus de 3000 km/h à haute altitude. Il affiche une vitesse ascensionnelle de près de 300 mètres/seconde. Il peut emporter des missiles air-air et air-sol et possède sur son côté droit un canon rotatif de 23 mm. Le MiG-31 est décliné exclusivement en version biplace. Il n'est plus fabriqué depuis 1994, mais il est encore en service au sein des armées russes et kazakhes. Au total, plus de 500 exemplaires ont été produits.